Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu l'épisode 1, vous savez ce qui s'est passé. Eh bien ils sont calmes aujourd'hui, n'empêche. Ouais, ils sont calmes aujourd'hui. Bon, faut leur faire manger là. Qu'est-ce qu'on... Ouais, justement chef, j'allais vous demander, qu'est-ce qu'on leur fait à manger? Il reste du pot de chevêche ou pas? Oui, bah justement, regardez. Ah bah nickel, on leur fait ça. Là c'est l'épisode 2 et aujourd'hui on va s'évader. Ouais, aujourd'hui on doit s'évader. On va vous résumer un peu l'histoire. En gros, Lily Rose, elle est allée dans un magasin. Donc là on est en vacances, c'est pour ça qu'on n'est pas chez nous. Et on est allé dans un magasin et elle a vu des trucs qui lui plaisaient. Et elle les a pris. Mais... Et du coup on s'est fait poursuivre par la police. Mais... On a failli aller en prison, etc. Ça nous Je pense que c'est la petite là. On lui prend aussi. Ouais, voilà. Ah n'empêche, ça fait 5 jours, alors les amis, je sais pas, enfin vous êtes pas pour au courant. Pour l'instant, ils sont calmes. Hein, pour l'instant, ils sont calmes, ça fait 5 jours qu'ils sont ici. En fait, on est enfermés chez nous dans cette pièce. Mais nous, on a marre, du coup on va essayer de s'évader, voilà. On veut faire une grande évasion de la prison, parce que là ça devient horrible, en fait on est ici, ça fait plusieurs heures qu'on attend. On est censé être en vacances, moi j'ai un boulet là. Mais bon. Allez, on va leur apporter ça. Ouais. Et le pire c'est que la police là, ils doivent nous apporter à manger, etc. Ah ouais, mais ça doit être dégoûtant. Ouais. On va pas bien manger. Ah. Ils sont là. Oui. Hop. Oui. Bonjour. Bonjour. Oh, alors on vous a ramené à boire. Merci. Mais c'est quoi ça? Alors ça c'est du jus de pamplemousse. D'accord. Ah non, mais vas-y, bois pas ça. Et le chef vous a fait sa spécialité. Enfin, le chef, mon stagiaire vous a fait une spécialité. C'est une spécialité régionale. Ouais, mais étant donné que vous êtes sage. Oui. Ah non, mais je le sens. Vous n'allez pas vous enfuir. Non, 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 on va pas s'enfuir. Chef, c'est bon. Oui, oui, non, mais. Vous êtes sage, j'espère. Vous pouvez. Bon, vas-y, vas-y. Regardez. Ouais, vas-y, c'est quoi? Spécialité régionale. Oh, c'est quoi? Mais c'est quoi ça? On a un peu tout là-dedans. Mais on veut pas ça. De la carotte, on va manger ça, du poulet. Oui, laissez-nous. Allez, laissez-nous. On revient à 17h normalement pour la deuxième ration. Il y a pas de deuxième ration, oui, pas de problème. Faut bien fermer la porte. Oui, oui. Mais fermez bien la porte. Chef, vous avez les clés? Oui, les clés. Ah, ouais, ils sont là. Allez, on va les enfermer. En plus, ils nous ont dit qu'on allait rester combien de temps ici, enfermés? Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Surtout, c'est fermé. Il y a pas de souci. Alors, on va redescendre. Ça me dégoûte. C'est quoi ce truc? Attends, bon, il faut qu'on planifie notre évasion. Comment ça va se passer? Donc il y a une procédure qui est en cours contre eux, justement, contre le magasin avec qui ils ont volé les malabars et les petits popites, c'est ça le nom de popites? Les popites et les bonbons malabars, oui chef. Attends, regarde la porte. Elle est ouverte. Je crois qu'elle est ouverte. Ils ont mal fermé. Attends. Essaye d'aller. Attends, non mais là, il faut pas faire les bébêtes. Attendez, je suis juste... Attends en bas, chef. Ouais, vous pouvez m'attendre ici. Vas-y. On fait semblant qu'elle est fermée. Ouais. Parce que si on s'évade maintenant, ils vont trouver ça bizarre de nous entendre dans les escaliers. Ouais, c'est sûr. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser passer le temps. Ouais. À 17h, ils doivent passer... Non, nous. Je t'ai dit vers 16h30. Non, mais à 17h, ils ont dit, on vous apporte la deuxième nourriture de la journée. Le repas du soir. D'ailleurs, c'est super tôt. Mais je retrouve plus les clés de ma voiture. Alors... Ils sont pas dans ma poche? Dans la cuisine. Nous, on passe et on prend tout. On prend tout et on s'évade. On réunit toutes les affaires, on prend tout. D'ailleurs, essaie de m'enlever ça là. De quoi? Si t'arrives, parce que c'est lourd. Peut-être dans peut-être dans mon sac, attendez. Non, elles sont pas dedans du tout. Les amis, on va faire un peu d'ordre dans la pièce. Ah oui, ça c'est le coffre avec lequel... Vas-y, remets tout dans le coffre. Remets tout dans le coffre. Vas-y, hop. Donc on va faire le rangement un petit peu. Hop. C'est une sorcière ou quoi qui vit ici? Ah, je sais pas, mais c'est horriblement sale. C'est une chauve-souris. Je sais même pas à qui cette maison, d'ailleurs on est obligé de la squatter en attendant. Juste écoutez, parce que là je les entends plus. Pyrose, casse. Ils sont dans la pièce juste à côté. J'ai l'impression qu'ils sont en train de... Ils veulent dormir. Non, ils veulent dormir. Non, pas du tout. Oui, c'est ce que je t'avais dit. Non, non, y a rien dedans. Ah bah non, on a pas ouvert. Non, non, y a rien dedans. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le jardin, ok? Ouais, ok. Par derrière. Ok. Parce que si on passe par devant, il y a leur voiture, il y a peut-être des collègues. Ouais. Bon. Ouais, on va redescendre, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Donc, allez. Mais t'as vu, ils dorment pas, je te l'avais dit. On va se faire repérer. T'es folle ou quoi? Mais si, mais là, ils vont être en train de dormir. Mais non, ils vont pas être en train de dormir. Au pire, j'ai une idée. Vas-y, passe première. Passe en première. Maître, c'est dingue ça. Ils sont pas dans vos poches? Non, non, du tout, j'ai rien dans mes poches. Et la porte? Je ferme la porte, comme ça. Dépêche-toi. Attends, on va dans la chambre. Okay, vite. On va ici. Non, non. Mais moi je suis persuadé que... Oui, je suis dans la cuisine. Moi je suis persuadé que mes clés sont en haut. Vite. De chaque côté. J'ai peut-être oublié dans la chambre. Ah oui, ils vont aller dans notre chambre. Lily Rose. Vous êtes...
Où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis? Ils sont dans le placard. Ils ont enlevé les menottes. Ils ont enlevé les menottes. Évasion. Oh, je sais que c'est pas possible pourtant. Mais vous avez bien fermé à clé. Mais tu as fermé à clé? Bah oui, j'avais une clé. Mais non, t'as pas fermé à clé. Viens par là. Viens par là. C'est bon. Bon, les amis, on est dans la salle de bain des policiers. Donc normalement, ils iront pas par là. Va voir en face, ici. Ah oui, peut-être ils se cachent dans la chambre. On a déjà bougé d'un étage. Notre évasion commence à être de plus en plus réussie. Hein. Ouais. Bon là, il faut quand même partir. Faut vraiment partir. Ouais. C'est pas moi le chef, hein, chef. Ah bah ouais, bah non, mais c'est de ta faute. Oh, c'est pas possible. Je pense qu'il y a plein de déguisements là-bas. Attends, vas-y. Ils sont là. Attends, c'est pas grave. Vas-y, viens ici. Ok. Là, il y a plein de déguisements. Bah oui, mais je sais pas. Vas-y, attends, mets ça. Ça? Ok. Peut-être dans le jardin, chef. Ouais, peut-être dans le jardin, c'est ce que je pense aussi. Y'a personne? Oh mais non, mais c'est pas possible. Mais pas maintenant. Qu'est-ce qu'on... Hop, on met ça. Comme ça, ils vont pas te reconnaître. Vas-y, tiens-moi ça. Vas-y. Regarde, moi, les amis, je vais mettre une blouse d'infirmier. Absolument personne, mais c'est... Oh, t'es sûr qu'il y a personne? On va voir en haut, vite fait. Comment on fait pour mettre ça? Oh mais c'est une manche. C'est une manche. Attends. Allez, vite, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Comme ça. Ouais, c'est bien, allez. Vas-y. Ils sont absolument plus là et on sait pas comment faire du tout. Parce qu'en fait, le procès c'est dans 2 jours. Mais si, par là. Si, par là. S'ils sont pas là, on va se faire taper dessus et. Ça va pas le faire. Bonjour. C'est pas possible. Bonjour. J'ai rien trouvé. Ah, attends, il y a des gens ici. Bonjour. Je suis le médecin. Ah oui, c'est vrai, venez avec moi. Bah, on les a perdus d'ailleurs. Non, on cherche la sortie. Chef, ils ont l'air bizarres ces gens-là. On cherche la sortie. Non. Vous êtes qui? C'est mon apprenti. Oui. C'est des médecins, c'est ça se voit. Ouais, on est médecins. Par contre, leurs cheveux, ils sont un peu... Arrêtez de critiquer mes cheveux, c'est un nouveau soin. Bon, et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la sortie? Vous n'avez pas vu deux petites filles et un grand garçon? On cherche une petite fille et un grand garçon, vous les avez pas vus par là? La sortie exclusivement. Bah, la sortie, c'est par là. Sors-les, on n'a pas que ça à faire. Allez, dépêchez-vous. Merci, vous pouvez aller à vos occupations. Ouais, allez, s'il vous plaît, on n'a pas que ça à faire. Si vous les voyez, venez tout de suite nous voir. Oui. Et puis vous nous dites où ils sont. Hein. Oui. C'est une petite fille de cette taille-là. Et puis un garçon qui est grand. Il ressemble un peu, non? Non. Il ressemble pas un peu à celui qu'on cherche. Non, l'autre, il a l'air un peu bête. Lui, il est encore plus bête, lui. C'est bon, les amis. Faites venir au secours. Mais je crois que c'est eux. Si, c'est eux. Attends, j'espère que c'est pas une autre voiture de police. Ah bah, trop tard, ils sont partis. Ils sont là-bas. Ah, trop bien. On a tout gardé. Bon bah c'est cool. Bon, on n'a plus qu'à partir maintenant. On espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à cliquer sur une vidéo qui apparaît. Allez, bye bye.